Huitième partie. Êtes-vous la voie vers la compréhension? La civilisation égyptienne, guidée par les prêtres de l'école des mystères de l'œil d'Horus, était fondée sur une croyance de base. L'homme, initialement animal, se réincarnait à plusieurs reprises pour accéder à un état de sagesse et d'immortalité. Il acquérait le savoir au cours de cette expérience. Ce voyage dans l'évolution comprenait 7 paliers, déterminés en fonction de la sagesse acquise, de sa fréquence vibratoire et de la quantité d'énergie vitale transformée au cours du processus. La sagesse acquise à travers les vérités expérimentées au cours de chacune de ses vies lui permettait d'atteindre la paix intérieure, augmentant ainsi sa fréquence vibratoire. La quantité d'énergie vitale générée par son système neuronal s'accroissait donc également. Il utilisait l'un des 7 chakras de sa colonne vertébrale, l'un des plus élevés. Son aura et son champ électromagnétique augmentaient en conséquence. Les circonstances que l'homme devait affronter, les processus qu'il devait traverser pour développer sa sagesse, avaient été conçus par Dieu à la perfection. Les Égyptiens pensaient que l'énergie qui fluait de Dieu et qui se manifestait de différentes façons déterminait les processus que chaque esprit subissait. L'univers était une entreprise consciente, sujette à un ensemble de processus linéaires. La Terre tourne autour d'une source radiante, le Soleil, dont elle reçoit son énergie initiale. Le système solaire tourne lui-même autour du Soleil central de la galaxie, autre source d'énergie. Ils découvrirent que tout au long de son parcours, qui s'étend sur 25 920 années et qu'ils appelaient l'année cosmique, le système solaire reçoit l'énergie de différents corps radiants qui génèrent différents champs de force. Il divisait ce parcours en 12 parties, 12 forces reçues par la Terre durant les 2160 années nécessaires à la traversée de cette ère. Chaque force provoquait une situation différente que l'homme devait affronter. Elles étaient partie constituante de la chaîne des montagnes de la conscience. Les Égyptiens appelaient ces énergies Néther. Ils donnaient une représentation symbolique à celles qu'ils identifiaient. Ainsi, ils pouvaient leur rendre hommage. Leur culture était fondée sur le ciel et les processus collectifs, déterminés par les étoiles. Les prêtres pensaient que plus ils recevraient l'énergie depuis l'un des feux du ciel, d'une étoile ou des constellations, mieux l'homme se porterait. C'est pour cette raison qu'ils accordaient une attention particulière aux étoiles, placées sur l'axe de rotation de la Terre, les étoiles polaires, qui restaient en place durant des milliers d'années. À une époque où la nuit était perçue comme une manifestation de la mort, le fait que ces étoiles se trouvent toujours à la même place dans le ciel faisait qu'elles étaient considérées comme une forme de pouvoir régnant sur les ténèbres, ces forces du mal qui apportaient la mort et le désastre. Ces forces qui faisaient surgir dans la vie des événements difficiles étaient dirigées par Seth, origine de notre Satan moderne. «
Seth, le prince des ténèbres. Ce pouvoir qui entravait le progrès de l'homme et le plongeait dans les passions animales pour le maintenir dans l'ignorance. Seth jouait un rôle très important dans l'univers égyptien. Il entraînait l'homme dans l'erreur, générait des comportements agressifs qui ne conduisaient qu'à la peine, la souffrance, l'angoisse et la peur. L'issue de ces comportements bouleversait l'homme. Alors, rongé par la peine, il entamait sa quête du bonheur. Il comprenait que son attitude agressive se retournait contre lui. Il changeait, et la force de la lumière illuminait sa conscience. Les forces qui encourageaient l'homme au changement, en faveur de la paix et de la compréhension, étaient mues par Osiris. Osiris, prince de la lumière. Pouvoir guidant l'homme vers la spiritualité et l'amour, en passant par plusieurs vies et par des circonstances difficiles. Dans un univers contrasté, écartelé entre des pôles opposés, Seth et Osiris s'affrontent comme l'ombre et la lumière, pour modeler la conscience humaine et l'éveiller à l'importance de la neutralité. La neutralité ne génère pas de force en opposition. La neutralité est la base de la superconductivité, un principe physique encore en cours de découverte aujourd'hui. La neutralité implique le respect des autres. Le fait de ne pas empêcher le processus du destin, les conditions difficiles que l'homme doit surmonter dans le but d'apprendre. La neutralité implique la compréhension de l'univers en marche, l'acceptation de son principe parfait, de sa raison aimante conçue par Dieu qui est amour. L'homme atteint la neutralité à la fin de son cycle de réincarnation, quand il a lui-même expérimenté toutes les vérités de l'univers, quand il renaît dans l'esprit et atteint l'illumination. Ce moment est représenté par la figure d'Horus, le faucon doré qui voit et sait tout, qui vole au-dessus de l'univers des contrastes et des faiblesses matérielles, parce qu'il n'oppose aucune résistance. Horus est le symbole de la conscience permanente et immortelle, symbole d'un être équilibré et respectueux, jouissant de tous ses pouvoirs et de la paix éternelle. Cet équilibre s'installe sur Terre durant 4 jours, aux équinoxes d'été et d'hiver, quand le jour est aussi long que la nuit. À Edfou, on construisit un temple dédié à la naissance d'Horus pour l'étude du moment final du processus évolutif. Son axe et son porche étaient orientés vers le lieu où le soleil se levait durant l'équinoxe d'été. La plupart des complexes religieux d'Égypte possédaient 2 temples et 2 observatoires astronomiques, l'un solaire, l'autre lunaire, placés à 90 degrés l'un de l'autre.
Il pouvait ainsi encadrer simultanément l'étoile incarnant la force vénérée du temple et le soleil durant les jours qui marquaient le changement des saisons, au moment où, pour tous les êtres vivants, l'environnement changeait également. À Dendera et à Edfou, le porche du temple encadre une étoile lumineuse qui annonçait le lever du soleil. Quelques instants plus tard, celui-ci pénétrait par ce même endroit. Edfou et Dendera sont des temples jumeaux. Des observatoires complémentaires l'un de l'autre pour l'observation du ciel au-dessus des pôles sud et nord. Lorsqu'ils observaient les étoiles polaires, ils notaient chaque variation dans l'inclinaison de l'axe terrestre. Cet angle est à l'origine des saisons, des solstices, des équinoxes et du temps sur la planète. L'étude de ces étoiles et leur relation avec le Soleil et les autres étoiles était fondamentale. N'importe quelle variation de leur parcours habituel annonçait de grands changements dans la vie de l'homme. Les étoiles annonçant de grands changements étaient porteuses de malheurs. Elles étaient situées à une distance d'un degré de latitude nord. Dendera est située à 26 degrés et Edfou à 25 degrés de latitude au nord de l'équateur. Ceci leur permettait d'enregistrer les mouvements du système solaire, information cruciale puisque déterminant le progrès autour des constellations, l'essence qui dirige le voyage évolutif de l'homme. Le changement d'air d'une constellation du zodiaque à une autre déterminait les étapes selon lesquelles les prêtres révélaient les mystères de l'univers, déplacer une capitale de l'Empire et changer même le nom de leur pharaon. Dans tous les temples, le porche découpait une zone du ciel, dans laquelle l'un des feux du ciel, ou Mazaroth, se déplaçait. Tous les mouvements de ce Mazaroth étaient observés. Le temple d'Horus, à Edfou, était orienté vers le pôle sud. Il encadrait l'étoile de Canapus. Le temple d'Hathor à Dendera était centré sur Alpha Draconis, vers le pôle nord. Le temple d'Horus célébrait sa naissance durant l'équinoxe d'été, 3 mois plus tard. Le temple d'Hathor célébrait le renouveau de la vie, la fertilité provoquée par la crue du Nil au solstice d'été. À Dendera, le second temple dédié à Isis encadrait Sirius, l'étoile qui la représentait dans le ciel. Quand Sirius apparaissait, durant le solstice d'été, la crue du Nil était annoncée. À l'aube, au même endroit, le temple encadrait le lever du soleil. Ce jour-là, les inondations marquaient la fin de l'année solaire égyptienne. Alors, à Dendera, on célébrait et on honorait Hathor, la force qui renouvelle la vie, et Isis, la force qui apporte l'eau, cruciale pour l'Égypte. Trois mois plus tard, le temple de Neftis à Edfou, dont il ne reste plus que les fondations, encadrait le lieu où Procyon apparaissait, annonçant le temps des semailles, et à l'aube de l'équinoxe d'hiver, il était cadré sur le soleil. Les étoiles déterminaient la montée des eaux du Nil, le moment où il fallait semer et récolter. Elles fixaient le calendrier égyptien.
Tout comme ses temples, ces deux étoiles étaient étroitement liées. Sirius appartient à la constellation du Grand Chien et Procyon à la constellation du Petit Chien. Elles sont sœurs, comme Isis et Nephthys, épouses d'Osiris et de Seth, le prince des ténèbres. Dans la mythologie grecque, elles étaient les chiens d'Orion, Osiris en égyptien, et le suivaient. D'où le nom de leur constellation. Durant ces dates, les deux temples étaient unis par une procession. Le 21 juin, date du solstice d'été, le feu nouveau arrivait depuis le toit du temple de Dendera. C'était le début de la nouvelle année. Le 21 septembre, jour de l'équinoxe d'hiver, Edfou célébrait la conception d'Horus. Le 21 avril, jour de l'équinoxe d'été, on célébrait sa naissance. Remontant le Nil depuis Dendera, la barque d'or s'avançait avec la statue d'Hathor. Cette cérémonie était appelée les fêtes de la belle rencontre, moment où Hathor, force de la vie, célébrait l'apogée du processus qu'elle avait enclenché. Les étoiles et les soleils traversaient le ciel sur des barques symboliques. De même, les statues qui les représentaient, comme par exemple celle d'Isis et de Hathor, étaient transportées d'un temple à l'autre, dans des barques dorées, le long du Nil. L'ancien temple d'Horus à Edfou, appelé Apollinopolis Magna par les Grecs, fut reconstruit à partir de 237 avant Jésus-Christ, sous Ptolémée III, l'un des rois de Macédoine, héritier d'Alexandre le Grand qui régna sur l'Égypte. Les travaux durèrent 180 années et prirent fin en 57 avant Jésus-Christ, sous Ptolémée XII, père de Cléopâtre. Elle fut le dernier pharaon d'Égypte avant que celle-ci ne devienne une province romaine. Les reliefs montrent des rois étrangers qui rendent hommage aux déités égyptiennes, une manière d'être eux-mêmes honorés par le peuple et de légitimer leur pouvoir. Les gens d'Edfou occupaient les terres qui appartenaient au complexe religieux. Les murs de protection extérieure avaient disparu bien longtemps auparavant. La plupart des bâtiments étaient détruits. Mais le temple dédié à Horus, où le faucon doré est encore intact aujourd'hui, fut reconstruit par les Ptoléméens aux abords du Nil, où un temple plus ancien se tenait alors. Les temples qui étaient orientés en direction d'une étoile précise ne restaient en fonction que pour une durée de 300 ans, car le mouvement du système solaire autour de la galaxie modifiait l'emplacement de l'étoile. Par conséquent, le temple devait être totalement démantelé et reconstruit et son axe modifié de 4 degrés. C'est la raison pour laquelle on trouve d'anciennes pierres dans les fondations d'un temple nouveau. C'était un peu comme si on déplaçait un télescope. Par contre, il n'en allait pas de même pour les temples solaires, puisque l'angle formé par l'équateur et l'éclipse du soleil ne se déplace que d'un degré tous les 7000 ans. Les temples solaires orientés vers le point où le soleil se levait à une certaine date restaient opérationnels durant des milliers d'années.
L'axe du temple était orienté à 86,5 degrés sud-est. Là, à 26 degrés au-dessus de l'horizon, Canopus se levait presque chaque nuit dans l'hémisphère sud. C'est l'étoile la plus brillante après Sirius. Canopus, Alpha Carina, de la constellation de la Carène, est située à 74 années-lumière de la Terre. Elle était autrefois connue sous le nom de Argo Narvis, la quille du bateau d'Argo, sur lequel Jason et les Argonautes naviguèrent à la recherche de la Toison d'Or. Les deux tours de la façade du temple encadrent l'étoile du pôle sud. Chaque tour est le miroir de l'autre, y compris dans ses reliefs. Elles expriment la symétrie dans un monde asymétrique en mouvement. Devant, le pharaon dirige la canne du pouvoir en direction des ennemis d'Égypte, dans une attitude menaçante. Un symbole récurrent figurant sur les linteaux depuis des temps reculés. Le disque ailé aux deux serpents. Les hiéroglyphes des tours dépeignent un paysage de montagne encadrant le soleil. Le pylône, ou façade, est haut de 35 mètres, aussi haut qu'un immeuble de 10 étages. Il laisse voir quatre renfoncements qui correspondaient à l'emplacement des poteaux destinés à recevoir les oriflammes des fêtes. En traversant le porche, on arrive dans une cour entourée, sur trois côtés, d'une galerie à colonnes, ou péristyle. Sombre vestibule au plafond bas, supporté par 32 colonnes aux chapiteaux floraux de formes et de styles différents. Sur la façade intérieure, dans la cour, les reliefs sont également placés en miroir, de façon symétrique. Seules les coiffes symboliques des personnages sont différentes. Le mur d'enceinte, complètement recouvert, et la galerie de colonnes donne à la cour une sensation de symétrie parfaite. L'équilibre du bâtiment remplit le visiteur d'un sentiment d'harmonie. C'est ici que l'on formait les initiés. Les scènes gravées sur les murs expliquent le processus d'évolution de l'homme, sa relation avec les forces célestes, le combat entre l'esprit et la matière qui rend possible la découverte de la vérité à travers les contrastes. À l'époque de l'école des mystères, il y avait ici un magnifique jardin où les initiés pratiquaient des exercices afin d'expérimenter eux-mêmes les enseignements transmis par les prêtres. Ils recevaient la connaissance en fonction de leur niveau de conscience. Guidés par le maître du mysticisme, ils travaillaient sur l'objectif principal du temple. Comprendre l'importance de la neutralité dans un monde bipolaire. Ils devaient faire preuve de leur capacité à transformer la conscience individuelle en conscience universelle. Il comprenait le besoin, pour un univers de contraste, de créer des situations et des processus dans lesquels le libre choix était possible.
Chaque vie nouvelle autorisait l'expérience d'un nouveau lieu, d'une nouvelle famille, d'une santé différente et de conditions matérielles distinctes. Face à de nouvelles situations, de nouvelles erreurs étaient possibles. Seth était vaincu dans la conscience humaine, grâce aux erreurs expérimentées par l'homme durant ses différentes vies. C'est la confrontation des résultats obtenus au cours de son expérience qui le menait à la connaissance et illuminait son esprit. Les initiés expérimentaient le principe vital des autres êtres et comprenaient qu'il y avait une conscience unique dans l'univers. Et ils le vérifiaient face à l'un des palmiers du jardin en se concentrant sur lui jusqu'à percevoir le vent dans ses palmes. Ils apprenaient qu'en s'abandonnant complètement, ils fusionnaient avec ceux qui les entouraient. Le temps s'interrompait. Leur propre conscience et la plante ne faisaient plus qu'un, occupant le même espace. Les prêtres leur enseignaient que la concentration était un exercice intellectuel qui commençait en se focalisant sur la plante et en pensant à tout ce qu'ils savaient sur ce sujet. La raison éclaircissait l'esprit, pesait, comparait et analysait jusqu'à établir les caractéristiques qui transforment un être en plante. Il découvrait que le travail intellectuel touchait à sa fin lorsqu'il savait tout sur l'objet en question. Ils entraient alors dans une seconde phase de méditation. Ils utilisaient leur intuition et leur sens pour percevoir l'arbre. Ils percevaient sa forme, ses couleurs, son odeur, son goût. Ils écoutaient sa vibration intérieure. La dernière phase consistait en un exercice spirituel de concentration. La pensée et la perception de l'arbre n'avaient alors plus leur place. Mais dans leur conscience, ils devenaient l'arbre et faisaient l'expérience d'un état différent de l'être. L'ego disparaissait. Et l'initié rencontrait son moi supérieur. Le temps disparaissait. Le silence dilatait la conscience. Les bras devenaient branches et une paix intérieure inondait le vide. Là, ils pouvaient augmenter leur énergie vitale, leur fréquence vibratoire en union avec des compagnons de même niveau de conscience. Ils avaient atteint un palier similaire sur la voie de la réincarnation. La façade intérieure du temple ressemble beaucoup à celle du temple de Dendera. Leur conception générale est très proche. Les deux temples furent construits sur les plans d'Imhotep, l'architecte qui construisit la pyramide de Saqqara. Entre les colonnes se dressent des murs bahuts qui ne laissent entrer la lumière dans le temple qu'à travers une petite ouverture, créant à l'intérieur une semi-obscurité, idéale pour l'observation des étoiles. Deux faucons coiffés de la couronne de Basse et Haute Égypte, statue monumentale d'Horus, flanquaient l'entrée à l'hypostyle, la salle de la vie. Aujourd'hui, il ne reste qu'un faucon de granit. En entrant dans la salle de la vie, nous percevons un changement de température. L'endroit respire la paix. 12 colonnes massives soutiennent un plafond qui n'a jamais été décoré. Dans cette pièce, utilisée dans la journée par les initiés, les 8 colonnes aux chapiteaux magnifiques produisent un sentiment d'équilibre et de permanence.
Comme à Dendera, cette salle possède aussi une pièce plus petite où l'on conservait les papyrus sur lesquels travaillaient les scribes, ainsi que ceux nécessaires à l'enseignement des initiés. Le premier palier de la voie de l'évolution était nommé Kabit, ou le temps de l'ombre obscure. L'homme était proche de l'animal, un être sans pitié, aux passions incontrôlées, gouverné par l'instinct. Son comportement rempli de rage, de haine et d'instinct sauvage ne produisait que d'infructueux résultats, l'angoisse, la souffrance, la solitude et le malheur. Après de nombreuses vies, il était las de souffrir et comprenait qu'en faisant souffrir les autres, il ne provoquait que son propre malheur. Puis, son esprit renaissait dans le second palier de la conscience. C'était Ba, ou le temps de l'ombre lumineuse. Il découvrait alors ses sentiments et apprenait à aimer, mais il ne contrôlait toujours pas ses émotions. Il était encore dans l'enfer de la vie. Quand il atteignait le troisième palier, le temps du cœur respirant, il entrait dans l'extrême opposé. Il se transformait en un être bon, qui se souciait des autres, tâchant de résoudre leurs problèmes et d'éviter leurs souffrances. Il n'était pas plus heureux. Sa paix dépendait des autres. Le respect était absent. Il cherchait à transformer la vie des autres en ce qu'il pensait qu'il leur convenait d'être. Cette attitude lui faisait confronter ses croyances à celles de ceux dont il ne respectait pas les décisions. Quand il se trouvait dans une situation difficile, plutôt que d'apprendre, il pensait « c'est injuste » et ne voyait en lui que l'être bon qui ne vit que pour les autres. Par la porte du fond, on pénétrait dans la salle des apparitions, où la statue lumineuse d'Horus apparaît sur la barque d'or, sortant de l'ombre de son sanctuaire pour prendre part aux cérémonies et processions. Les décorations des colonnes témoignent du lien qui existe entre ce temple et celui d'Hathor, à Dendera. Sur les chapiteaux, on retrouve la déesse. À gauche, il y a une pièce destinée aux offrandes. Elle possédait une entrée qui conduisait à une petite pièce où l'on préparait l'encens. À droite, se trouve la chambre des purifications, utilisée par les prêtres dans leur rituel quotidien de purification. Elle donnait sur le lac et le puits du temple. Les prêtres choisissaient leurs disciples parmi les plus respectueux et les plus soignés, ceux qui avaient atteint au minimum le troisième palier de la conscience. Ils leur communiquaient l'information et leur enseignaient à la vérifier personnellement. Ils leur apprenaient à accroître leur degré de vibration. Les initiés commençaient par apprendre à contrôler leurs instincts. Ils se retrouvaient exposés à des situations extrêmement dangereuses. Ils apprenaient à faire confiance en l'autre. Des années plus tard, ils apprenaient à contrôler leurs émotions, leurs désirs et leurs plaisirs, comprenant que leur corps était semblable à l'univers, mais à une échelle différente. Pour atteindre cet état de conscience, ils se rendaient à Kom Ombo, Philae, Der El Bahari, et à Luxor. Ils accédaient alors au quatrième palier de la conscience, Sekhem, et rejoignaient d'autres êtres nés dans le même palier de conscience et conduits par le maître des mesures. Il leur enseignait que le nom et le nombre déterminent la forme de toute chose.
Dans les temples tels que celui de Dendera, il devenait Kabris, celui qui saisit le ciel, étudiant l'implication du cycle des étoiles sur l'homme, les forces primordiales, les fréquences de vibration de Phi, de la section dorée et de la fleur de la vie. Après la salle des apparitions, on accédait ensuite au vestibule des escaliers exactement conçus comme celui de Dendera. Un escalier circulaire à droite et un long escalier droit à l'intérieur de la cloison qui conduit jusqu'au toit. La procession, transportant la barque sacrée d'Horus, montée par l'escalier circulaire jusqu'au toit, dans l'attente du lever du soleil, les jours d'équinoxe. Il redescendait par l'escalier droit. Durant des milliers d'années, ils capturèrent les mouvements de l'étoile Canopus. Ils entraient en vibration avec l'énergie particulière des équinoxes, alors qu'ils assistaient aux cérémonies qui célébraient la neutralité atteinte par l'être humain. Les disciples n'avaient pas accès aux autres pièces du temple. Seuls les prêtres pouvaient emprunter le vestibule d'accès à l'antichambre et entrer dans la salle de la barque d'or, où, sur l'autel, reposait la statue d'Horus dans son sanctuaire mobile. Aujourd'hui, dans cette chapelle, une reproduction moderne renseigne sur l'aspect et les dimensions de la barque d'or. L'antichambre des offrandes conduit à la chapelle pure, une petite cour où les figures des forces primordiales de l'univers étaient exposées aux rayons solaires pour renouveler leur énergie. Les murs sont couverts de reliefs expliquant les mystères de l'univers, la raison de la réincarnation, la voie pour accéder à la fin du cycle et devenir un surhomme. Le pharaon Ptolémée IV, entouré d'un sycomore, l'arbre de la vie, autre symbole d'Hathor, se fait remettre par Horus la palme sur laquelle est inscrite sa destinée, celle qu'il expérimentera au cours de ses futures et nombreuses réincarnations. De l'autre côté, Nekhbet lui communique sa destinée immédiate, celle qu'il rencontrera dans cette vie en tant que pharaon. La civilisation égyptienne repose sur l'idée que la réincarnation était le principe par lequel on acquérait et vérifiait les vérités universelles. L'esprit de l'homme s'incarnait pour tirer des enseignements du résultat de ses décisions, petit à petit, se transformant en un homme sage et flexible, jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à apprendre et atteigne l'illumination. Depuis la lumière extérieure, en allant vers l'intérieur sombre du sanctuaire, les sols étaient légèrement plus élevés, de pièce en pièce. Les prêtres pouvaient ainsi voir le ciel découpé par le porche au-dessus de la tête des disciples qui participaient à la cérémonie. Le sanctuaire était un espace indépendant, entouré de ses propres salles. Tout en haut, le soleil approchait et illuminait de ses rayons les murs anciennement colorés.
Dans la partie la plus profonde du temple se trouve le sanctuaire du Naos, autel de granit qui renfermait la figure d'Horus, symbole de la renaissance spirituelle, de la maîtrise, de l'instant où l'homme devient le surhomme. Cet instant est représenté par la naissance d'Horus. Autour du sanctuaire, des reliefs illustrent le principe d'illumination. Quand il accédait à la compréhension, l'homme rejoignait le centre et devenait un être respectueux, juste. Il reconnaissait la perfection en toute situation, y compris les plus douloureuses, puisqu'elles accroissaient la compréhension de ceux qui les traversaient. L'homme mauvais devient bon, le bon devient juste, et le juste devient sage. C'est là qu'intervenait l'illumination, représentée par Horus, quand l'esprit renaissait à la fin du cycle des réincarnations dans cette échelle de l'univers. Le chemin de l'amélioration passait par un palier supérieur. L'homme, né dans la chair, renaissait dans la spiritualité. C'était la fin de son évolution depuis son état animal jusqu'à la spiritualité éternelle, du temporaire à la conscience permanente, de la mortalité à l'immortalité. L'amour, constamment présent dans ses pensées, ses paroles, son regard, et généré par la compréhension, anéantissait son ego et avec lui le cycle des réincarnations. Le sanctuaire est entouré de chapelles dédiées aux principes et aux forces qui entrent en action dans l'évolution de la conscience. La chapelle d'Osiris était facilement reconnaissable par les gens du peuple, depuis l'extérieur, grâce à ses reliefs sur le mur. Le peuple, à qui l'accès du temple était interdit, s'approchait et déposait les offrandes auprès de ce mur. Une autre chapelle est dédiée à Khonsu. Khonsu était le fils de Mut, aspect féminin du dieu unique, et de Amon-Ra, son aspect masculin. Leur union créait la conscience humaine. Khonsu signifie « conscience nouvellement née » quand elle commence son voyage d'évolution. La chapelle d'Amon-Ra, créateur de la conscience, contenait l'information sur le processus d'évolution. Il existe une autre chapelle consacrée aux 9 forces fondamentales. La chapelle centrale était dédiée à Horus. Ses murs témoignent du savoir sur l'illumination comme ultime palier sur l'échelle de la réalité. Les initiés ayant atteint le 4e palier de l'évolution de la conscience venaient dans ce temple. Très peu d'entre eux atteignaient le 5e palier, le temps du Sahu. Là, on leur enseignait le but du voyage des réincarnations. Ils entendaient le sens de la neutralité.
Puis il prenait la route en direction de Karnak, temple de la conscience humaine, où ils poursuivaient leur quête de la sagesse par la pratique de l'art, et partaient à la découverte de leur inconscient en revivant l'ensemble de leur réincarnation. Ils vivaient en vibration dans l'amour, sachant comme tous les hommes qu'un jour ils vivraient une renaissance spirituelle et atteindraient l'illumination. Ils ouvriraient alors la porte à une autre dimension de l'univers.